Bonjour à tous et à toutes. Le sujet du jour sera consacré à la révision des 6 années de la Zoé. Ma Zoé de décembre 2013 arrive donc à la 6e année, avec 74 000 km au compteur, et une révision qui nécessite qui impose la vidange du moteur électrique. C'est tous les 6 ans. Donc la vidange du moteur électrique consiste à retirer 2 litres pour remettre 2 litres. Ça se passe chez Renault Minute, quand il y a une concession équipée de Renault Minute. Ce n'est pas une opération compliquée, c'est comme une vidange de boîte de vitesse par exemple. Donc comme j'ai pu entreapercevoir ce qu'ils faisaient, c'est exactement pareil. Ils mettent la voiture sur pont, le mécano retire un cache en plastique assez large et une vérification. Il était quand même deux dessus, hein. Une vérification complète du soubassement, du train avant. Ensuite, après vérification, s'il n'y a pas de problème, il continue l'opération, il vidange. Ils remettent du liquide, ça je ne l'ai pas vu après la suite. Ça a duré plus de 2 heures. Hein. C'est une opération qui englobe l'opération classique, hein, bien sûr. Les fameux 59 € de l'opération. Comment ça s'appelle? De la révision A. Il y a une révision A, une révision B. C'est tous les 2 ans, je crois, la révision B, il me semble. La révision A, c'est tous les ans. Alors, on a donc sous les yeux le prix et les opérations effectuées. Ensuite, la douloureuse, à la fin. On y reviendra après. Hein. Donc, 59 € pour l'opération A, il y en a qui ne le font pas faire. Par exemple, il y a des possesseurs de Zoé qui ne le font pas. Ça, il faut le faire parce que c'est une opération qui n'est pas anodine. Elle va directement à l'atelier équipé Z2, donc une opération qui nécessite l'informatique, mécanique, et puis il y a aussi des mises à jour, hein, comme j'avais déjà spécifié sur d'autres vidéos. On n'est pas invité à le voir. Hein. Moi, j'ai aperçu une fois le mécano que j'avais accompagné pour voir le matériel qu'il y avait justement pour les Zoé. C'est quand même assez costaud, hein, l'ordinateur qui équipe. Dont ils sont équipés. Hein. C'est un gros chariot avec un. Enfin, c'est gros, quoi. On peut dire que c'est balèze. Il faut un sacré équipement. Donc, ça a été fait pour 59 €. Ensuite, le filtre d'habitacle. Le filtre d'habitacle, 59 €. Avant, c'était 49, c'est passé à 59. Je mettrai un lien sur le descriptif de ma vidéo pour indiquer une chose, c'est que le filtre d'habitacle peut être changé par soi-même. On économise une bonne 40aine d'euros, hein, quand même. Alors, moi, je fais faire parce que je ne peux pas me contorsionner en dessous la boîte à gants. Pour faire l'opération. Ceux qui peuvent le faire le feront, moi je ne le fais pas. Peu importe. Donc on sait que 59 € plus 59 €, ça va faire, j'arrondis, à 120 €. Ça, c'est l'opération annuelle sur la Zoé. Ensuite, l'opération des 6 ans, c'est donc la vidange du moteur qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Donc, beaucoup de main-d'œuvre, c'est la majorité du temps, pratiquement. Le coût de main-d'œuvre exorbitant, parce que c'est lié à une opération. Je ne sais pas ce qu'il y a de délicat là-dedans, hein, vidanger un moteur, remettre de. Je ne sais pas. Et ça a quand même un impact sur le prix final, puisque je dirais que c'est les trois quarts, plus des trois quarts de la somme de l'opération de vidange. C'est-à-dire que l'opération de vidange a nécessité, vous avez sous les yeux, le prix du liquide. Ils ont quand même compté 5 litres. Et je vois 2 litres. Alors, ils ont pris peut-être que 2 litres de liquide pour un bidon de 5 litres. Mais qui a été facturé aussi. Mais je ne sais pas, en fin de compte. J'ai pas non plus, je ne peux pas parler sans savoir. Je me base sur la facture pour. Et je n'ai pas demandé non plus. Ensuite, vous voyez, donc, le temps passé et la main-d'œuvre. Donc 2h70, la manœuvre, bon, c'est ce qui fait que l'électrique est. Eh bien, ça rapporte de l'argent aux concessions, parce que les coûts de main-d'œuvre sont élevés. Hein.
Ça nécessite une formation spécifique. Il y a des mécanos qui sont volontaires pour passer des formations au Technocentre de Paris, par exemple. Et puis être toujours en contact avec eux pour les mises à jour, puisque l'électrique, c'est un petit peu comme un ordinateur, hein. Il faut des mises à jour régulières. Et donc ces mécanos-là, ça coûte de l'argent à la concession pour les envoyer faire une formation. Une formation qui n'est pas perdue puisqu'on bascule dans le monde de l'électrique. Donc il y aura plus en plus de mécanos qui seront formés pour l'électrique. Renault, Peugeot, c'est tout un chamboule-tout, hein. Non seulement l'équipement dans l'atelier, les formations, et aussi l'accueil à la clientèle, puisque la clientèle d'une électrique n'a pas les mêmes besoins, les mêmes exigences que la clientèle d'un thermique. Thermique, lui, on sait ce qu'il a comme problème, hein, principalement. Que l'électrique, c'est différent. Il n'y a quasiment pas de problème. Mais il faut faire les choses quand même. On voit les éléments sous les yeux. Donc je continue. Maintenant, nous allons passer sur le résultat, le compte-rendu de cette révision. Ce qui a été et pas été. Alors déjà, bonne surprise, les pneus à l'avant. Les Michelin qui ont été changés pour la nouvelle génération de Michelin, celle qui n'est pas défaillante. Parce que le premier jet de pneus Michelin avait de gros problèmes de structure. C'était une chimie qui n'était pas bonne. Donc moi je les avais changés, hein. C'était reconnu par Michelin, donc le changement, le train de pneus avant était gratuit. Juste la main-d'œuvre qui était payante. Donc ça m'a coûté la main-d'œuvre. Et on voit à l'avant, ils sont usés qu'à 50%. J'en suis à 30 000 km avec ces pneus-là, environ moi. 30 000 km. Et ils sont qu'à 50%. J'aurais pensé qu'ils auraient fait que 30 000 km, justement. Parce que vu la conduite que j'ai, qui peut être brutale, calme la plupart du temps, mais relativement brutale, quand on accélère avec une électrique, il faut que les pneus encaissent la puissance du moteur électrique, son fameux couple immédiat, même en mode économique, la Zoé, ça ne rigole pas. Donc il faut que le pneu encaisse. Et ben ils encaissent. Et ils peuvent faire encore au moins, bon, je dirais, une bonne année. Alors, vu le kilométrage que je fais, je compte 2 ans à 3 ans par train de pneus. Hein, parce que ce serait beau, parce que j'en serais à plus de 70 000 avec un train de pneus à l'avant. C'est pas banal. Là. À l'arrière, ce sont les pneus justement d'origine, les pneus avec les difficultés. Ils partent comme des bouts d'éponge en usure. Vous avez des copeaux de caoutchouc qui se baladent un peu partout. Donc ces pneus-là sont usés malgré tout qu'à 65%. Bon, tant mieux. Ils estiment que l'année prochaine, en 2020, je devrais les faire changer. C'est pas sûr. Je verrai bien. Si c'est pas le cas, je les garde. Ensuite, les freins. Alors les freins, encore une nouvelle bonne surprise, excellente surprise. 5% d'usure à l'avant, 10% d'usure à l'arrière, c'est tout. 5% d'usure sur une voiture qui a 70 000 km, c'est exceptionnel. Là, je pense qu'avec la Prius, j'en étais pas. C'était plus usé, voilà, sur la Prius 2. Mais je n'ai pas les chiffres sous les yeux, bien sûr. 10% à l'arrière, sachant qu'à l'arrière, ce sont des tambours ventilés. Ça ne bouge pas non plus. Donc vous avez l'avant, l'arrière, ça ne bouge pas. Ça se demandait si ça ne fera pas la vie de la voiture. Ah oui, si que ça n'atteint que 5% d'usure. Sur 70 000 km, il faudrait que j'atteigne 700 000 km pour atteindre les 100% d'usure. Vous vous rendez compte? Donc les freins, je dirais à la limite que ça fait partie de la vie de la voiture. Les freins font de la vie de la voiture. C'est unique ça. Alors c'est pas spécifique à la Zoé, je pense pas. La Zoé est lourde. Quand je freine fort, eh bien ça freine sur les freins, bien entendu, hein. C'est pas le moteur qui va à lui tout seul arrêter la voiture dans ces cas-là. Il y a 1,5 tonne quand même à freiner. Malgré que je roule comme un bourrin par moment,
que j'ai besoin de décélérer fortement, freiner fortement. Des fois, c'est les warnings qui sont allumés, hein, ça arrive une paire de fois quand même. Alors c'est pour dire la violence. Et les freins sont très puissants hein, sur la Zoé, hein. C'est dédoublé. Hein. Un système Bosch intégré. Donc, non, bah, ça a été étudié, vraiment bien conçu. J'en suis vraiment très satisfait. Et puis, il n'y a pas que moi. D'autres marques, je ne sais pas comment ça se passe. Sur d'autres marques de voitures, est-ce que c'est équivalent? Est-ce que je ne sais pas. En tous les cas, voici donc le compte-rendu de ma révision. C'est une révision qui a coûté cher du fait de la vidange du moteur. Sinon, c'est une révision qui peut revenir, je dirais, à 80 € si on change de filtre d'habitacle soi-même. Donc, si on peut le faire soi-même tous les ans, bah, 80 €, c'est pas cher. C'est tout, vous avez que ça à faire. Ensuite, l'année prochaine, je sais que c'est la batterie 12 volts à changer, parce que Renault la change tous les 3 ans. Alors, je peux le faire moi-même, ça ne me coûterait que le prix de la batterie. Mais bon, je ferai faire. Sûrement, et ça coûtera, je pense, le changement de batterie lui-même, avec la batterie incluse, la main-d'œuvre, environ 180 €. Voilà. Donc, ça va être encore une facture assez forte avec le changement de batterie. Mais quand ces éléments-là sont faits, après, les tarifs redeviennent raisonnables. 59 plus 59, hein, 120 €, et c'est tout. Ça, c'est le tarif. On met les mains dans les poches, c'est les mécanos qui font le boulot, on paye pour ça. Si on veut faire une partie du travail, du coup ça réduit la facture. Bon, c'est tout. Hein. Chacun fait comme il veut ou fait ce qu'il peut. Une petite parenthèse sur la Tesla Model X qui a réussi à atteindre 600 000 km. C'est une nouvelle qui vient de tomber. En roulant tous les jours aux États-Unis, recharger tous les jours, rouler tous les jours. Jour et nuit. Une voiture qui fait les allers-retours aux États-Unis. Hein. Il y en a plein, des voitures comme ça. C'est gigantesque comme pays. Donc, c'est pas difficile de faire 1 000 km en 24 heures. Donc, c'est une voiture qui a que 13% de perte de batterie. C'est-à-dire que la batterie de cette fameuse Tesla n'a perdu que 13% de ses capacités. C'est-à-dire que sur 100 km, elle ne perd que 13 km. Et comme ce sont des voitures qui peuvent parcourir pratiquement 500 km d'un jet, ça fait vraiment très très peu de kilomètres en moins sur la distance. Donc c'est vraiment quelque chose de rassurant sur les batteries, puisque la Zoé et d'autres marques, c'est la même technologie, lithium-ion. Donc on sait que la Zoé, ça peut atteindre 500 000 km. Pareil, si il y a des personnes qui veulent acheter la voiture avec la batterie, ils peuvent le faire les yeux fermés. La voiture, ils la garderont, j'irais 20 ans, 30 ans, voire plus. Si vraiment ils en sont contents, alors pour d'autres raisons, ils peuvent la vendre. L'acheteur qui achètera cette voiture-là, le client, n'aura pas à avoir peur, puisqu'il pourra compter sur une batterie qui va durer très longtemps. Après, c'est chacun qui voit, suivant ce qu'il veut faire, comme toujours. Donc voilà, je pense pas que j'ai oublié quelque chose. Donc n'oubliez pas le lien dans le descriptif de la vidéo, pour ceux qui sont intéressés pour le changement du filtre d'habitacle par eux-mêmes. Tout est bien expliqué, la personne ne parle pas, mais c'est bien d'avoir mis cette vidéo. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a qu'une de mise sur Internet sur le principe qu'il emploie lui. Et je pense que chez Renault, ils font la même chose. Ils démontent le cache en plastique de la console centrale à droite, et déclipsent pour accéder plus facilement au fameux filtre. Sinon, il faut démonter la boîte à gants. Là, ça évite de démonter la boîte à gants, justement. Donc, ça n'a pas l'air bien compliqué, hein, pour ceux qui sont assez habiles de leurs mains et qui ne sont pas trop grands, parce qu'il faut quand même se contorsionner, hein, au minimum. Voilà, j'en ai fini avec cet aspect-là. Et je vous dis à bientôt.